Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Monsieur Max01 et on se retrouve pour un nouvel épisode du guide de Terraria. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode du guide? Déjà je vous préviens, ce ne sera pas un épisode, ce sera plusieurs épisodes, mais ce sera divisé en plusieurs... Enfin, ce sera un très long épisode qui sera divisé en plusieurs parties. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vais avoir des examens, et qui dit des examens dit quand même de l'étude, et j'ai envie de vous fournir du contenu, mais en même temps de ne plus avoir à me préoccuper de faire des vidéos. Donc pour ça, je vais tourner un contenu très long qui sera divisé en plusieurs parties, et qui sera diffusé à un certain intervalle. Donc on va directement rejoindre la partie, voilà. Donc cet épisode, enfin je vais tourner, je vais principalement faire du minage et d'exploration. Donc je vous le dis, ça peut être intéressant, ça peut pas être très intéressant, c'est à vous de voir. En tout cas, je le fais pour un peu... pour que des épisodes sortent, on va un peu explorer tout. Mais au moins avoir du contenu. Donc on en était où? On avait vaincu... Ouh! Est-ce qu'on pourrait vaincre un petit œil? Allez, on va en vaincre un. On va en battre un. Et là, où est-ce qu'il est? Voilà. On va essayer de en rebattre un. Comme ça, ça fera de l'or, des pièces en plus. Allez là! Donc oui, dans le dernier épisode, je vous avais conseillé de prendre une potion de peau de fer. C'est pas nécessaire. Vu le stuff qu'on a, on ne prend pas beaucoup de dégâts. On a quoi? De l'argent et du platine. Oui, donc, vous pouvez prendre une potion de peau de fer si vraiment vous voulez pas vous prendre beaucoup de dégâts. Mais c'est pas super important avec le stuff qu'on a là. Par contre, si vous avez un stuff en étain ou vraiment en plomb, je vous conseille de prendre une potion de peau de fer pour survivre. J'espère qu'on va pouvoir le battre lui avant de... Je vais essayer de le battre au shuriken, au katana. Ça fait assez de dégâts aussi. Allez, viens là. On va continuer au shuriken parce que sinon, on va prendre cher. Aïe, allez. J'espère avoir le temps de le battre. Je n'ai juste pas envie qu'il disparaisse. Comme je vous l'ai dit, dès la fin de la nuit, le boss part. Le boss, simplement, il s'envole plus loin et il disparaît de notre champ de vision. C'est comme ça à peu près pour tous les mobs. Allez, viens là. 1000 combien? 1500. Tu dois mourir, mon petit. Non! Prends-toi des dégâts, prends-toi des dégâts, transforme-toi, transforme-toi! Oui! Et là, on en profite, on martyrise. On envoie un maximum. Hop 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 hop. 16 points de dégâts. Il fait extrêmement mal. Hop, on saute par là. Hop, saute. Voilà. Petit fifou. Allez, 700 points de vie. Aïe. Non, je sens que c'est la fin. 200 points de vie, 200 points de vie, allez. On peut t'avoir. Voilà. Donc là, on a encore obtenu des bords démonites. On n'aura pas le temps de rebattre... notre ami. Ça, c'est sûr. On va aller ranger tout ça. Où est-ce que c'est les... Voilà, les pièces. 22 pièces, 25 pièces. Niveau de ça, on va mettre ça là. Comme ça, c'est bon. Hop. On va aussi faire un peu d'étage en plus pour nos amis les PNJ, parce qu'il n'y en a pas assez. Enfin, comme vous l'avez vu la dernière fois, le PNJ, le marchand est mort. Malheureusement. Bon, ça, on n'en peut rien, mais un autre est venu s'installer à sa place. C'est le... Comment ça s'appelle? Marchand d'armes, voilà. Donc on va vite... prendre un peu de pierre pour refaire un étage. J'espère avoir assez pour refaire un étage. On va en faire un maximum. Ah, il y aura pas assez. Allez, 26, ça va être chaud. On va faire un étage au-dessus. On va refaire un petit étage là. Voilà. Allez, allez. Non. Non, non, il y aura pas assez. On sait rien. On a tout pile pour faire les murs, mais pas assez pour faire l'arrière-plan.
Hop, on descend et je vais rechercher un peu de pierre, tiens. Oh, un petit verre. Tu es où le petit verre? C'est bien. Un canard! Ya! Yeah. Bon, dans cette expérience, dans cette expédition minage, on va surtout aller visiter. Et c'est ce que je veux. Le biome neige. S'il n'est pas déjà visité en profondeur. Si, le biome neige est un peu beaucoup. Non, le biome neige n'est pas beaucoup visité, on va aller le visiter. Pourquoi le biome neige? Parce que c'est un biome qui est pour moi plus intéressant que les autres. J'ai l'impression, eh bien c'est une impression, ce n'est pas sûr, qu'il y a plus de... pas de minerais, mais plus de coffres cachés dedans. Et on peut vraiment trouver des armes intéressantes. Par exemple, le Ice Boomerang. Bon, il a rien qui change par rapport au boomerang normal. C'est juste qu'il avait un enchantement meilleur. Mais il a une animation et on peut trouver aussi la Ice Blade. C'est une épée. Un peu moins rapide que le katana, mais qui a quand même la particularité d'envoyer des projectiles de glace. Oui, des projectiles de glace. Donc ça, avoir une épée comme ça, c'est super, c'est un super avantage. Bon, de la pierre, combien est-ce qu'on va en prendre? Ah, des toiles d'araignée. On devrait aussi se faire une pioche un peu plus puissante que la pioche en plomb. La pioche en plomb, c'est pas intéressant. Donc ici, de la pierre. Allez, on va en prendre quoi? On va en prendre une centaine. Je pense que oui, ce sera bon. Ah, c'est vraiment lent cette pioche. Faut savoir qu'à la fin du jeu, on peut avoir des pioches qui sont tellement rapides. Un coup, vous cassez un bloc. Et ça, c'est des pioches de malade. Normalement, non, je sais plus combien. Je pense que c'est en une trentaine de secondes, on peut rejoindre le bas de la map. Juste en cassant deux blocs en dessous de ça. Juste ça. Ça va être un peu abusé, mais bon. C'est la fin du jeu. La fin du jeu, c'est souvent très compliqué à voir. On devait y passer beaucoup de temps. Ici on a du sable. Pourquoi est-ce qu'il y a du sable ici? Étrange. On va pas casser là. Hop. 62, c'est pas assez ça. Faut plus de pierres. C'est bien. 70. On va les récolter de des petits endroits là. Oh, il y a une botte. Non, c'est la terre. La pierre. Je pensais que c'était une botte. L'espoir. Combien... Hop, on va poser une petite torche. On met un 91, hop. J'espère juste... Oui. 100, je pense que ce sera bon. Ah, de l'eau, super. On va en prendre 120 en fait. Ce sera plus simple avec 120. Toujours en prendre plus qu'il ne faut. Sinon, vous pouvez vite être limité. Qu'est-ce qu'on a là en dessous? Ouh, des minerais de démonite. Oui, on peut trouver des minerais de démonite. Naturellement, ils apparaissent par groupe de 4 ou 5. Mais il vous faut une pioche en démonite, en platinium. Platinium ou démonite? Je pense en démonite ou en platinium pour pouvoir les casser. Donc, si vous en trouvez, c'est bien, mais il faut pouvoir les casser. Bon, ça, c'est fait. Faire un peu de pierre. Hop. Voilà, il y en a assez, je pense. Hop, des murs. Oui, les murs, c'est près d'une table de craft. Qui est... Ah, là. Le PNJ qui le cache. Une tonne, des murs. Et va, murs en briques grises, on va en faire... 72, je pense que ce sera bon. Hop, on ouvre les portes, tant pis. Ah, il y a de l'orage. Ah oui, il faut faire une plateforme en bois. Ah oui. J'oublie des petits éléments comme ça, très importants. Bon, hop. Voilà. Ici. Non, on a dépassé. Super. Je déteste quand on dépasse. C'est toujours du gâchis. Bon, en même temps. Hop. Voilà. Sur assez. Oh, il manque un. Ouais, il y a le marteau. Ouh. Hop, petit marteau. Non, je veux pas casser ça. Ah, par contre, ça ne marche pas, le marteau. C'est bien dommage. Je pensais que ça marchait. Enfin, le marteau, on peut pas faire shift et sélectionner un bloc. Par contre, oui. Comme vous venez de voir ici, l'objet, enfin le bloc plutôt, vient d'être changé.
Simplement, si vous voulez changer la forme d'un bloc, vous prenez votre marteau et vous tapez dessus. Là, par exemple, c'est un petit escalier, des pics, un escalier à l'envers, un escalier à l'envers, un bloc plein, un demi-bloc, vous avez différents formats. Hop, voilà, comme ça c'est bon, source de lumière, une petite table, une petite chaise. Il n'y avait plus de table et plus de chaise. Non, il n'y avait plus, j'ai l'impression. Oui, tout a été utilisé. Et une table. On a toutes les conditions qui sont réunies, donc je pense que c'est bon. Je pense que ce sera bon. Allez, je pense que ce sera bon. Mais, on va fermer cette porte. Voilà, hop, et... Yep. Un étage comme ça. Si on en recrée un autre à côté. Oui, allez. Attendez, s'il y a des petits verres que je n'aime pas. Je sais pas pourquoi j'aime pas les verres. Ah, on va casser cet arbre et on va faire un petit bâtiment à côté. Hop. Voilà, où est la hache? Là, voilà. On va escalader. Ça, c'est bien pratique, le Sandstorm in a Bottle, pour pouvoir escalader les immeubles comme ça qu'on n'a pas envie de traverser. C'est toujours pratique. Bon, toi, tu vas te couper. Merci. Et on va faire une petite structure. Hop. On va faire plein de petits immeubles, enfin de petits immeubles, de petits bâtiments comme ça. Ça peut être chouette. Je pense pas avoir assez. On va quand même mettre les trois portes. Hop, ici le mur c'est en haut. Mur en briques gris, j'espère avoir assez. Ouais, ce sera bon. Ce sera juste parfait. Et au pire, si on a trop, on fera le sol. Hop. Ah, dépassé, super. Cowboy. Est-ce qu'il va faire jour? Est-ce qu'il va faire nuit? Non, il fait jour. Parce qu'avec cette luminosité qui descend, on dirait qu'il va faire nuit. Mais non, en fait, il est midi. Juste la pluie. Ah, ici. Oh. Voilà. Ici. Voilà. refaire des blocs. On va pouvoir faire le sol. Brique grise, voilà. Combien? 9 seulement. Est-ce que ce sera assez? Ce sera pas du tout assez. Bon, tant pis. On va se faire un petit établi. Une table et une chaise, oui. Avec deux portes. Hop, hop. Oh, les glands, tant pis. On va les déposer. La petite chaise, la petite table. Et la porte. Et un nouveau PNJ va arriver. On va casser ça. Je pense qu'on va reposer une torche. On va tuer ce petit canard. Bon, qui est arrivé? Ah, la dryade! La dryade, c'est quoi comme PNJ? C'est un PNJ qui vous permet de savoir l'état de votre monde. Donc l'état, c'est la corruption. La corruption dans le monde, combien votre monde est corrompu. Donc là, il est à 11% corrompu, c'est énorme. Mais on peut aussi lui acheter certaines petites choses, comme des graines de citrouille, des murs d'herbe. Mur de fleurs, bâtonnet de terre, déplace la terre par magie. Ouh, ça a l'air intéressant ça. Bon, bof. La poudre de purification aussi, qui permet de purifier la corruption. Bon. Excusez-moi, pas des choses très intéressantes. Et normalement, on devrait avoir un petit PNJ aussi qui devrait arriver. Un autre. J'espère qu'il va arriver. Attends, où est-ce qu'elle s'est installée celle-là? S'est installée tout en haut, donc elle ira s'installer toute seule. On va la laisser faire. On va se vider un petit peu parce qu'on a beaucoup de bordel. D'allonti, on n'en a pas besoin. Le marteau, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. On va faire une platinium 16. Ouh, on va faire une petite pioche. On manque 4 bois. Oh bah, on va faire une platinium, hein. C'est bien plus intéressant. On va même revendre celle en plomb. Ça fait de l'argent. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut déposer? Ça, on en a pas besoin, ça, on en a pas besoin. Le mousquin. Que dalle.
pas besoin de le platinium, on va le mettre là, ça, on va le mettre là, une arme à distance, bon. Potion de peau de fer, pas besoin. Potion de vision nocturne, et ça, on va garder. Ça, on va mettre là. Ça, on va en avoir besoin. Et je pense que c'est bon, donc on va pouvoir partir. Oh. On va fermer les portes. Sinon, mes PNJ vont se faire tuer. On va pouvoir partir miner, surtout chercher des objets dans les coffres. Parce que, il y a un objet qui m'intéresse, c'est les bottes d'Hermès ou les bottes glacées. Les différents formats, et cet objet nous permet d'aller plus vite. Parce que vous le voyez, je suis assez lent avec ce personnage. On va vraiment, vraiment pas très vite. Et ça fait quand même longtemps que je cherche ces bottes, je les ai pas encore trouvées. Et mon but c'est de les trouver, parce que ces bottes c'est super intéressant. Déjà, elles nous permettront de voler plus tard, de courir super vite. Bref, elles ont énormément d'avantages. Mais pour ça, on va aller explorer un peu. Ah, c'était pas là qu'il fallait aller. Excusez-moi. On va aller plutôt de l'autre côté. On va aller visiter la neige. La neige. La glace plutôt. La glace. Oui, le biome neige. Pour pouvoir justement trouver des loots un peu plus intéressants aussi. Parce que c'est bien les bottes d'Hermès d'avoir les bottes d'Hermès, mais il faut avoir un peu plus de choses. Bon, c'était par où qu'il fallait aller? Dans la corruption, j'imagine. Oui, il faut aller dans la corruption. Heureusement, il y a le parapluie qui est là. On sait jamais. Oh. On va utiliser la technique du parapluie pour aller plus vite. Hop. Ouh, c'était calculé ça. Ouah. Non. Meurs toi. Démon. Tu ne mourras pas. Toi aussi. Raté. Dommage. Oh, j'ai eu peur. Faut rentrer dans ce trou là, je pense. Oh, vous m'approchez pas comme ça, vous. Non, faut descendre tout en bas. Peut-être. Ouais, faut descendre tout en bas. Presque, ils sont violents, ouais. On va descendre. Aïe. Wow, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est bon, mon boomerang va s'occuper d'eux. Bon, on va se mettre un peu... Bon, d'accord, ils veulent pas. Tant pis. Regardons en descendant. Oula, eh oh. Aïe. C'est qu'ils font mal, ces petits... Ah, il y a du monde qui s'approche. Tant pis. On va s'en occuper. Hop. Ah, là, il y a un minerai de 2 minutes, on va pas le prendre. Pas super intéressant. On a de tuer ces deux-là. Mourez, s'il vous plaît. Bon, boomerang d'en face. Boomerang, j'ai dit. Boomerang. Oh, comme il s'est fait toucher. Il a rien vu venir. Bon, tu veux bien mourir. Hé hey. Non, toi, tu me touches pas. Voilà, c'est bien. Hop, je vais récolter ça. Oui, là, on avait le biome. Ouf. Hop, on va descendre un peu. Est-ce qu'on a des choses intéressantes par là? Non. Non, il n'y a pas vraiment de grand... Oh, on est bloqué, super. Hop. Regardons la map, par où est-ce qu'il faut aller plus haut? D'accord. Bon, ben, on va descendre. Hein. Enfin, on va remonter pour redescendre. Hop. La technique du grappin et du parapluie, c'est une bonne technique. Oula. Hop là, voilà, c'est bon. Si on casse ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Regardez. Ah, on a oublié un petit pot. On va le prendre, c'est pas grave. Ah, mais mon dieu, ces corrupteurs, ces mangeurs de dames, ils sont partout. Oh là, il y a du monde. Ouais. Voilà. Alors, au niveau d'ici, par où est-ce qu'on va aller? On va descendre complètement, il suffit de suivre le chemin. Il suffit de suivre les torches et ça ira tout seul. Hop. Oh là, il y avait quelque chose. On va voir. C'est jamais qu'il y a quelque chose d'intéressant. Hop. Oui, il y a quelqu'un. Non, je veux pas casser des blocs. Non, il y a rien du tout. Tant pis. Allez, monte. Voilà. Ma barre espace buguée un peu. Bon,
200. On va prendre le parapluie parce qu'il y a quand même des gros trous des fois dans la glace. Dans la neige, la glace. Ah, ici on retrouve le petit chemin. Regardons par là. Ok, c'est bon. Je vais descendre. Hop. Oh, une petite chauve-souris. Oh, méchante. Meurs. Chauve-souris de l'enfer. Oh non. Faire gaffe à la glace. Elle se casse assez vite. Bon. Ouh, il y avait un piège. J'ai de la chance, je vais vite. Et quoi là? Minerai d'argent. Bon. Bon, c'est pas super intéressant. Du plomb. On s'en fout de fou. S'en fout quoi. Ah, une petite souris. Bon, chauve-souris plutôt, une souris. Voilà, là on arrive dans les zones inexplorées. Espérons trouver du loot. Oh là, qu'est-ce que tu fais toi? Tu meurs, pêcheur. T'es mort, pêcheur. Toi, le piranha, tu meurs aussi. Ouh, un coffre. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Rien, que dalle. On le casse. On remonte, on casse de la glace. Voilà. On a eu de la chance de trouver ce petit coffre. Ils sont pas si... Enfin, ils sont quand même rares à trouver dans les souterrains, ceux-là. On les trouve surtout dans... au bout de la map, dans le biome océan. Mais on peut en trouver comme ça, dans les profondeurs. Donc regardez bien. Oula. Hop, une petite topaze. Une améthyste, plutôt. Par là, il y a un petit trou, on va aller voir. Hop. Ouh, la platinium, ça va quand même vite. Bon, c'est pas... pas rapide rapide, mais c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de plus rapide. Alors en dessous on a une grotte, on va aller voir. On va descendre avec une source d'eau au cas où. Ok, y a rien du tout. Par des chauves-souris, sale chauve-souris. Allez. Non, je vais pas vous taper avec la... Non, le cœur. Bon ben au revoir le cœur. Ah, ici on a de l'argent, on va pas prendre. Sincèrement l'argent. Je vais vous avouer, ça ne sert plus trop à grand chose maintenant. C'est le platinium qui nous intéresse beaucoup. Le platinium et les rares. Enfin, les objets trouvés dans les coffres. Bon là, on a un petit pot. Espérons trouver quelque chose de plus intéressant que de l'argent. Ouh, c'est bon, ça c'est bon. On fait très attention aux pièges. Il y en a souvent. Qu'est-ce qu'on a là? On arrête. Alors, là-dedans, des bottes. Oh oui, un miroir magique. Bon, à quoi sert le miroir magique? Le miroir magique, c'est l'équivalent des recall potions. Sauf que ça s'utilise tout le temps. C'est un objet... Enfin, c'est une durée illimitée. Vous l'utilisez une fois, et voilà. Ça ne s'utilisera pas. Enfin, c'est très dur. C'est un objet qui vous permet de retourner au spawn de façon illimitée sans l'utiliser. Les statues, on va les prendre. C'est toujours cool de prendre les statues. Le coffre, un œil observateur suffisant qu'on peut trouver dans les coffres, je vous l'avais dit. De la TNT, qu'on va mettre là. Potion de gravité, potion de marche sur l'eau que je consomme. Et l'Ice Blade. Ah, la Ice Blade justement. Moins 10% de recul. Qui est une épée spéciale juste pour ça. Comme vous pouvez voir, c'est une épée assez intéressante qui va très vite et qui envoie des projectiles. Donc c'est pour ça qu'elle est super intéressante. On va prendre... Bon, tant pis. Je vais juste regarder où on est. On a passé ça, oui. Je regarde s'il y a des grosses grottes intéressantes. Par là, il y en avait une. On va aller voir en dessous. Oh, une table. On va la prendre, c'est déjà ça de crafter. Le katana peut être aussi très intéressant, mais cette arme-là est plus intéressante parce qu'elle tire des projectiles à distance. Ah, par contre, elle n'est... Oui. Le seul moyen d'utiliser cette épée, si vous la trouvez,
ce sont deux avantages, c'est qu'elle ne s'utilise pas en continu. C'est-à-dire que le katana, si vous maintenez clic gauche, elle va attaquer tout le temps. Là, vous devez tout le temps appuyer sur clic gauche, sinon ça n'attaquera pas. Bon, ici. Bon, un peu plus vite, mon vieux. Toujours toujours regarder au fond de l'eau. Pour retrouver ça, par exemple. C'est pratique. Non! Non! Ah, oh, super! Bon. Une mort. Une. On fera un petit compteur, tiens. Bon, les étoiles, tant pis. On va déposer ça là. 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 Ça nous vide déjà. Ça, on peut vider. Ça, on peut prendre. 100... 220 de vie, c'est assez cool. Les recall potions qu'on va mettre là, parce qu'on en a plusieurs à regarder. Hop, et voilà, le miroir magique, très pratique. Il se garde complètement. Qu'est-ce qu'on peut déposer? Potion de spéléologue, on va garder ça. Gravité, on va mettre ça là. Oh là, des dents de verre. Ça, on peut jeter. Rare enchantement, on va mettre ça là, ça. Ce petit coffre, la dynamite. On s'en bat les steaks. Tout ça, c'est bon. Le katana, plus besoin. On va déposer le petit tableau. Parce que c'est beau, les petits tableaux. On va le mettre... Est-ce qu'il est grand? Ah ben voilà. Ouais. Bon, on va aller rechercher... Toi. Tu vas mourir. Combien de dégâts fait cette épée? Déjà, 14 dégâts, donc elle fait moins. 2% de chance critique, oui. Vitesse très rapide, recul moyen, 14 dégâts de mêlée, plus 8% de dégâts. Je pense qu'elle fait 12 de dégâts de base. Mais l'avantage, c'est qu'il y a ça. Et que c'est continu. Donc, c'est une superbe épée. 9 de dégâts, 13 de dégâts. On peut infliger le double de dégâts. Et ça, ça peut être bien. Si vous touchez en tapant et si vous envoyez votre boule, c'est des dégâts... ça fait beaucoup plus de dégâts que le katana. Bon, hop. Ah, ça m'énerve, c'est... Racine. Meurs. Bon, par contre, il y a un temps de rechargement, comme vous l'entendez, avant de pouvoir réutiliser la boule. C'est quand ça fait le petit bip que vous entendez. C'est que la boule peut être retirée. Mais on peut pas la retirer avant d'avoir entendu le petit bip. Est-ce qu'on l'a touché? Non. Non. Ya! Vous mourrez jamais! Démon! Mangez-vous ça! Ya! Bon, on va pas trop prendre de risques. On va essayer de descendre vite, mais pas trop vite. Voilà, on y est. Bon, ça va quand même vite, hein. Ça c'est bien. Oh non! J'ai déposé les potions dans le coffre. Des grandes potions. Des potions de... Des potions de soins. Qui redonne 100 points de vie. Je les ai déposés dans le coffre sans le faire exprès. Parce que le boss en a droppé, je pense. Et sans le faire exprès, je les ai déposés dans le... Dans le coffre. C'est bête, ça. Bon, tant pis. On utilisera ces potions de soin. Bon, toi, tu meurs. Tu es gentil, tu es mignon. Hop. Combien de boules de slime? 57, ça va. On va prendre ça au cas où. C'est bien pratique, ça. Quand on descend et qu'on a besoin de remonter. Par où faut aller? Par là. Hop. Avec le parapluie, vous pouvez très facilement descendre toute une map, toutes des cavernes comme ça. Oula. Bon, par contre, moi, je suis mal descendu. J'ai juste un double de dégâts avec le tir et le coup d'épée normal. Donc, cette arme est super intéressante. 213 points de vie. C'est mauvais, c'est assez mauvais. Meurs, toi. Bon, un petit poisson rouge, on va le laisser dans l'eau. On va continuer. On n'était pas descendu par là, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh!
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Gobelin attaché. Qu'est-ce que c'est que ce gobelin attaché? En fait, c'est un PNJ. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de PNJ qu'on peut trouver dans Terraria, comme ça. Et celui-là, bah, fait partie des PNJ. Donc, qu'est-ce qu'il nous vend? Il nous vend principalement ça, les bottes roquettes, qui permettent de voler. Mais on l'a... n'a pas encore moyen de l'acheter. Donc, il va aller s'installer chez nous, je pense. Là, il est bien, il est fade. Il est tranquille. Donc, on peut trouver plusieurs PNJ comme ça, dans la nature. On a bien fait d'aller par là. Donc faites attention, regardez bien partout si vous voyez pas ces PNJ. Je pense qu'ils n'apparaissent que quand vous avez une maison de disponible. Peut-être pas avant. Oh, ça a l'air d'être du platinium, ça. Mais c'est du platinium. Un peu plus de platinium, c'est parfait, ça. Une chauve-souris, là. J'ai pas envie que le gobelin meure. Si le gobelin meurt, c'est mauvais. Yo. Non. Oh, je l'ai vu, celle-là. Excusez-moi de ce cri. Excusez-moi de ce cri, mais je l'ai vu venir, cette flèche. J'ai entendu le bip. Je me suis dit, c'est trop plat, c'est trop beau. J'ai eu... Pourquoi il y a un lapin? Qu'est-ce qu'un lapin fait sous terre? Je demande des explications. Patron. Toi, tu meurs. Toi, tu m'agresses pas comme ça, toi. Alors, c'est bien. J'impose l'autorité. Bon, ici on a quoi? De la topaze, on va prendre. Ah purée. Super. Un autre avantage de cette épée qu'on a trouvé, c'est qu'elle fait de la lumière. Ça peut être très pratique. Ça peut être très 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 pratique. Bon, toi. Alors, on va aller voir un peu sous l'eau. Y a pas quelque chose d'intéressant? Non, rien du tout. Bon ben on peut remonter. Hop, voilà. Bon, le pot. Tant pis, on va descendre un peu. On va casser ça, hop. Et on va faire un petit trou ici pour descendre plus rapidement. Donc ça, c'était le deuxième qu'on avait trouvé. Oh là, en plus, il y a une suite. On va aller voir.